L'attaque de José, il monte sur le vélo pour débriefer toutes les étapes tous les jours du Tour de France. Attaque de José, il s'en va, il va s'emparer du maillot jaune, il va piquer le maillot jaune à Christopher Froome. Donc vous l'aurez compris, José Anigo vous présente les débriefings de chaque étape après le Tour de France. On vous retrouve. José s'impose à l'Alpe d'Huez. On vous retrouve dès samedi pour la première étape du Tour de France sur la chaîne José Anigo Fit. Salut les amis, j'espère que mon intro vous aura plu. Bon, on commence cette vidéo. On va présenter le Tour de France 2018. Et oui, et je vais vous présenter mon projet aussi à la fin que je vais avoir pour ce tour. Alors, je vous rappelle le concours, le lien dans la description. Avec tout ce qu'il faut faire pour participer. On commence tout de suite. Alors, je vais vous expliquer en quoi ça, comment ça va se faire. Alors, il y aura les plus grosses étapes avec les plus grosses étapes, la première étape de la présentation, plus sur la présentation après, les favoris pour les maillots, à part le maillot blanc parce que je ne connais pas tous les jeunes, les équipes et les caractères et les caractéristiques des étapes. Voilà les amis. Le parcours, on va parler des caractéristiques, ce sera du samedi 7 au 29 juillet 2018 pour la 105e édition du Tour de France. Donc ça comprendra 21 étapes, une distance de, tout entière de 3351 km, 8 étapes de plaine, donc normalement au sprint, mais on ne sait pas, il peut y avoir des coups de poker à faire, pourquoi pas. 5 étapes accidentées, donc, dont les pavés. 6 étapes de montagne et 3 arrivées en altitude, la Rosière, Saint-Nary-sur-Rhin et la mythique arrivée de l'Alpe d'Huez, que les 3 dernières fois où le Tour de France y est passé, c'est 3 Français qui ont remporté le tour, cette étape, Pierre Roland, puis Christophe Ribon et Thibaut Pinot pour la dernière fois. Une étape de contre-la-montre individuelle, une étape de contre-la-montre par équipe, et du coup le Tour de France 2018, 26 cols ou côtes et des arrivées en altitude. En deuxième, première ou hors catégorie, aussi des côtes et des cols. Il n'y en aura pas de troisième ou quatrième à ce que j'ai trouvé sur le site du Tour. Bref. Et alors, ces côtes ou ces cols, 12 dans les Alpes, 4 dans le Massif central et 10 dans les Pyrénées. Alors, la première étape, je vais vous la présenter, c'est Noirmoutier-Fontenay-le-Comte, une étape de 201 km, entre Noirmoutier et Fontenay-en-Comte, comme je vous l'ai dit. Alors, il y aura un sprint au kilomètre 109,5, une côte de 4e catégorie pour savoir qui va porter pour la première fois le maillot à poids, une côte de 700 mètres, la côte de Vix à 4,2% de moyenne au kilomètre 173. Et malgré là-bas en Vendée, il y a beaucoup de vent et tout ça, donc il pourra avoir des bordures et des coups à faire, mais normalement cette étape devrait se jouer au sprint. Alors je vais vous présenter une autre étape aussi, ça sera l'étape du contre-la-montre entre Cholet, 35,5 km, dès le début, presque dans les 10 premières étapes, avec des petites montées, des petites vagues, mais ça va être difficile. Mais il y aura des côtes, voilà, je cherchais le mot, et elle fera 35,5 km, et du coup elle va être difficile. C'est là que peut-être le grand Christopher Froome, lui qui est si fort au contre-la-montre, va pouvoir faire matraquer ce Tour de France. Alors maintenant, une autre étape, 10e étape il me semble, c'est Arras-Roubaix, les pavés, avec 15 secteurs pavés. Voilà, dans toute l'étape. Il y aura un début d'étape, les 47 premiers kilomètres sans pavé, et après des pavés avec un sprint entre temps. Voilà. Et l'étape fait 156,5 km. Donc on sait que dans le nord il y a des pavés, et là aussi il y aura peut-être des coups à faire pour faire des trous. Voilà, dans, au classement général. D'ailleurs, question de vous rappeler des sprints. Alors à chaque fois, les deux ou trois premiers, je m'en rappelle plus, à partir de cette année, c'est l'UCI qui a mis ça en place, prend des bonifications au classement général pour au sprint intermédiaire des étapes. Voilà.
une autre étape aussi dans le milieu du tour, Annecy le Grand Mornant avec trois cols de première catégorie, un col hors catégorie, un col de quatrième catégorie. Bon, ça va se finir un peu en bas, il y aura une descente. Et un sprint à Thônes, 615 mètres. À 615 mètres d'altitude, au kilomètre 29. Donc, et voilà, ça commencera par une côte quatrième catégorie, après première catégorie, hors catégorie, première catégorie. Alors peut-être que dans le premier col, dans l'avant-dernier col, c'est peut-être là où il va falloir peut-être faire des distances, ou peut-être dans le dernier. Cette étape fait 158,5 km. Alors la plus petite étape de ce Tour de France, hors Champs-Élysées et hors même les Champs-Élysées, elle est plus grande, et hors contre-la-montre, Bagnères du Champ, Salins-Henri-Soulan, 65 km cette étape, mais il n'y aura que des cols. Première catégorie à Peyragude avec 14,9 km de col, 6,7% de moyenne. Une colle après, ça sera col de Louron à 7,4 km à 8,3%. Et après l'arrivée en altitude à Saint-Lary-sur-Aulne avec le col du Portet à 16 km et de 8,7% en moyenne, c'est un hors catégorie, les deux autres en première catégorie c'était. Voilà. Alors les favoris du tour pour le maillot jaune. Bon, alors Christophe Froome, bien évidemment, quadruple vainqueur du tour. Il y a eu des affaires de dopage. Moi, j'aurais été l'UCI, je ne l'aurais pas fait participer parce qu'il est dopé, malgré que tout le monde est dopé, mais encore plus que les autres. Bon, voilà, favori archi. En deuxième, mon deuxième favori, c'est le français Romain Bardet, sans être trop chauvin. On a espéré 32 ans après en France, il gagnera le Tour de France. Et le dernier, j'ai mis lui, un jeune coureur de 25 ans, le frère de Simon Yates, Adam Yates, deux frères jumeaux. Voilà, favori pour ce tour. Alors maintenant, l'étape, la mythique étape de l'Alpe d'Huez, alors avec trois cols hors catégorie, dont l'arrivée à l'Alpe d'Huez, et un col deuxième catégorie au milieu de cette étape, entre deux cols hors catégorie, 175,5 km pour cette étape, arrivée en altitude, et à l'Alpe d'Huez, à 13,8 km à 8,1% de moyenne. Voilà pour ça, et on espère qu'encore un Français gagnera le tour de cette étape, et pourquoi pas le Tour de France 33 ans après Bernard Hinault. Ça sera un contre-la-montre, je ne sais plus des deux lequel est par équipe. Alors là, ça va être vieux de la montagne, avec par exemple, juste avant de la fin de l'étape, au kilomètre 28 sur les 31 km, un col de 900 mètres à 10,2% de moyenne, ça fait quand même pas mal. Voilà, là je pense que c'est plus les équipes de grimpeurs qui vont gagner cette étape, et plus l'équipe à Christopher Froome que je ferai mon favori pour cette étape, parce qu'ils sont vachement très très forts dans le contre-la-montre. Alors comparé à des équipes comme celle de Romain Bardet, la G2R ou la Michelton Scott de Adam Yates, je ne pense pas, mais plutôt la team Sky favori de cette étape. Alors, les favoris du tour pour le maillot jaune. Bon, alors, Christophe Froome, bien évidemment, quadruple vainqueur du tour. Il y a eu des affaires de dopage. Moi, j'aurais été l'UCI, je ne l'aurais pas fait participer parce qu'il est dopé, malgré que tout le monde est dopé, mais encore plus que les autres. Bon, voilà, favori archi. En deuxième, mon deuxième favori, c'est le français Romain Bardet, sans être trop chauvin. On a espéré 32 ans après en France, il gagnera le Tour de France. Et le dernier, j'ai mis lui, un jeune coureur de 25 ans, le frère de Simon Yates, Adam Yates, deux frères jumeaux, voilà. Favori pour ce tour. Les favoris pour le maillot vert, donc Hendrik Greipel, l'allemand. Voilà, j'ai mis en favori, j'ai eu du mal à choisir là, André Greipel. Marcel Kittel aussi au sprint, il est vraiment imbattable celui-ci presque. J'aurais pu mettre Arnaud Démare, mais je ne l'ai pas mis. Et l'autre, c'est monsieur Peter Sagan, disqualifié du Tour de France à cause du coup de coude, je crois qu'il y a le coup de coude, il me semble que c'était. Il avait mis, il me semble, je ne sais plus à quel coureur, à Mark Cavendish, là, ça me revient. Et bon, à chaque fois, lui, il le gagne, le maillot vert, vous savez pourquoi? Parce que lui, qui passe bien les côtes, alors même quand il y a des étapes de montagne, il va dans l'échappée, comme il arrive bien à passer les côtes. Après, il empoche les 20 points du sprint intermédiaire, et c'est comme ça qu'il remporte ses étapes. C'est, comment dire,
ses points pour le maillot vert et aussi quand il y a des petites montées dans les sprints à la fin, voilà, voilà comment il remporte. Alors là, j'ai peut-être fait mon chemin pour le maillot à pois rouge. J'ai mis Thibaut Pinot, lui qui l'aime bien ce maillot. Je sais pas s'il va jouer général cette année, je pense pas encore. Et j'ai mis un autre français, Warren Barguil, qui l'a remporté l'année dernière. D'ailleurs, la photo, elle y est. J'ai mis la photo avec le maillot pro. Et l'autre, c'est celui qui l'a remporté trois fois, il me semble. Le polonais, un des favoris pour ce maillot. Il l'aime bien aussi, Rafał Majka. Voilà, le polonais de la Bora Angerau, coéquipier de Peter Sagan depuis très longtemps déjà. La Tinkoff Saclio, ils étaient coéquipiers et remportaient et le maillot vert et le maillot à pois tous les deux. Voilà pour mes favoris de ce tour des maillots.